Yo les petits devs, j'espère que vous allez bien. On continue dans notre fabuleuse aventure de création d'applications de qualité et notamment, on va encore une fois parler de tests dans cette nouvelle vidéo. C'est une série de vidéos, d'accord C'est encore une playlist que je vais créer sur cette chaîne. Une playlist qui va augmenter la qualité de tes applications, qui va faire de toi un meilleur développeur, qui va faire de toi un développeur dont on va reconnaître la qualité de son travail et notamment qui va te rendre indispensable en tant que développeur dans une entreprise x ou y, et notamment même si tu développes tes propres applications, ça va te permettre d'avancer avec, et euh, eh bien euh, tout simplement, avec confiance sur tes projets. Alors, je t'ai pas tout montré dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, je t'ai montré comment on allait créer notre premier test, comment est-ce qu'on allait mettre en place notre petit notre petite test de fonction qui permet de faire des calculs extrêmement basiques. Mais je ne t'ai pas tout montré, je t'ai pas tout montré parce que bon voilà, l'idée c'est d'avancer progressivement. Là on va rajouter des petits éléments supplémentaires dans cette, dans cette vidéo. On va ajouter trois fonctions supplémentaires à notre, à notre test. Une fonction qui va organiser, notre, comment dire, qui va organiser notre code et puis deux autres petites fonctions euh, qui sont très utiles pour justement euh, tester ton code et mettre en place un certain nombre d'informations. Alors on ne va pas les utiliser fondamentalement mais je vais te montrer euh, pourquoi est-ce que tu dois les utiliser et comment est-ce que tu dois les utiliser. La première fonction que l'on n'a pas encore vue c'est la fonction groupe. Cette fonction groupe là, alors hop je vais supprimer le code à l'intérieur, cette fonction groupe là euh, comme on est en train de tester une classe, on est en train de tester une classe, je te fais le petit rappel à rapide hein, si tu n'as pas suivi les vidéos précédentes d'ailleurs, c'est pas bien si tu n'as pas suivi les vidéos précédentes parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, probablement. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, ça veut dire que tu ne contribues pas à l'objectif que l'on a euh, qui est d'atteindre justement les 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, d'accord? C'est notre objectif. C'est l'objectif que, que l'on s'est mis euh, d'ici la fin de l'année. C'est d'atteindre, même d'ici avant la fin de l'année, c'est d'atteindre la barre des 10K. Et pour ça, et pour ça, toutes les contributions vont compter. C'est-à-dire euh, que bah, si tu likes la vidéo, si tu commentes la vidéo, si tu partages la vidéo, et bien évidemment, si tu t'abonnes, et eh bien concrètement, euh, tout ça va contribuer à augmenter la visibilité de la chaîne Nico Développe et probablement de faire en sorte qu'on ait de meilleures applications sur les marchés qui soient bien testées, qui soient solides, qui soient bien faites parce que ici on aime bien faire du travail bien fait même si on ne traite pas des sujets les plus sexy au monde et d'ailleurs juste pour remercier les nouveaux abonnés je les remercie très chaudement parce que on améliore les statistiques de jour en jour on passe à plus 36 abonnés que d'habitude donc ça veut dire que bah, ça permet quand même c'est sur, sur une moyenne d'accord de 28 Jours donc plus 36 sur une moyenne de 28 jours, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, merci, euh, merci du fond du coeur à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur cette chaîne. Euh, N'hésite pas à dire que tu es abonné tout récemment dans les commentaires. Euh, ça fait plaisir de pouvoir discuter. Ça met un petit peu de débat, ça met un petit peu d'ambiance, et voilà. Bon. Euh, pour le coup, on a cette fonction groupe. Cette fonction groupe, qu'est-ce qu'elle fait, qu -ce qu elle, fait Elle permet de grouper, c'est son nom en fait, tu vois, c'est très très simple. Elle permet de grouper quoi Elle permet de grouper les différents tests que tu as. Je te rappelle, dans la vidéo précédente, on a créé une petite classe qui s'appelle Calcul Repository. Et dans cette classe-là, on a trois fonctions. Ces trois fonctions, euh, on a plusieurs tests. À chaque fois, on a fait deux tests pour ces trois fonctions. On a deux tests pour la fonction add, on a deux tests pour la fonction sub et on a un troisième Enfin, on a deux tests pour la fonction euh, euh, multiplier d'accord donc on peut regrouper tout ça alors le, le nom ici il n'est pas évocateur pour une simple bonne raison euh, c'est que là il met euh, calcul repository comme on est déjà en train de tester tu vois le, le nom du fichier en fin de compte le dit calcul repository et notamment ici tu vas retrouver calcul repository euh, dans la partie navigation euh, à cet endroit ci d'accord donc ça sert à rien de redire qu'on va tester calcul repository soyons un petit peu logiques par contre ce qu'on peut faire c'est mettre méthode Add. Et puis dans cette fonction-là, et euh, eh bien tout simplement reprendre le petit bout de code que l'on avait et le déplacer à son endroit-ci. Hop, j'ai un petit contrôle S pour euh, comment dire euh, pour formater le code. Et puis notamment, bon, on peut faire exactement la même chose pour les autres. Donc groupe. Ici, ça va être sub et notamment, ça va prendre en second paramètre une petite fonction. Donc cette fonction-là ne peut pas être asynchrone ou quoi que ce soit, d'accord Ne cherche pas à essayer de la mettre de façon asynchrone, ça ne sert strictement à rien. C'est vraiment une fonction qui permet d'organiser, en fin de compte, ton code, d'organiser tes différents tests. C'est vraiment pour ça que cette fonction existe et qu'elle a été mise en place. Et puis ici, on a la méthode euh, mul. La méthode multiplier et boum, c'est parti. On fait ça comme ça, et comme ça, on commence à avoir un code euh, qui est un peu mieux organisé. Si tu regardes, euh, ça se fait en live hein, sur, sur le côté. Et si tu regardes ici, tu vois que on a une organisation qui est un petit peu meilleure. C'est pas, pas le foutoir, on n'a pas des, des fonctions dans tous les sens. Euh, D'ailleurs, ici, tu vois que euh, on a juste mis sub là, c'est méthode sub, voilà j'enregistre, euh, ça devrait mettre, voilà ça met à jour le truc, et donc ici tu vois on est un peu plus organisé, on sait qu'on a une classe par exemple calcul repository et que dans cette classe là on va avoir des tests pour la méthode add, pour la méthode sub, pour la méthode multiplier, et dans ces tests là à chaque fois on a euh, la description du test de ce que fait euh, le test, d'accord, euh, donc c'est un petit peu comme ça que tu vas pouvoir organiser et ça fonctionne pareil, hein, c'est à dire que si je relance euh, tout mon test, toute ma batterie de test justement uniquement sur ce fichier là, euh, ça va continuer à fonctionner correctement et tu vois que bah, concrètement euh, c'est mieux organisé. Donc là tu vois cette fonction groupe euh, permet de bien organiser, de mieux organiser justement euh, ton code. Ensuite, euh, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer sur la partie euh, debug, ici, tu vois, enfin de, de console de débogage. Euh, parce que ici, on retrouve toutes les petites euh, fonctions, d'accord, toutes les petites méthodes, notamment on retrouve méthode add, méthode add, enfin voilà, la même architecture. Après, si tu veux avoir euh, pour, ta, pour ton CI euh, quelque chose d'un peu, euh, peu plus visuel, tu peux aussi rajouter le petit tiret juste ici. Moi, ça m'arrive de temps en temps de le faire quand, euh, quand je l'oublie pas, parce que je te t'avouerais que des fois, je l'oublie un petit peu. Peu. Et notamment quand tu relances au niveau de ta trace, tu vas avoir ce petit tiret qui va se mettre entre les deux, et notamment tu vas avoir quelque chose d'un peu plus propre. D'ailleurs, on peut retirer l'espace que l'on a à la fin. Donc des tirets ou des euh, comment dire des deux de petits points, peu importe ce que tu vas mettre. Bon, il y a ça, mais il y a aussi d'autres méthodes, d'autres petites méthodes que tu peux connaître. Notamment, tu as une méthode qui s'appelle cette. Up. Alors, tu as, euh, ça as même plusieurs d'ailleurs, tu as set up, donc là pour le coup, euh, je vais attendre copilote, peut-être qu'il va m'aider, copilote, ça serait bien qu'il m'aide. Non, tu veux pas m'aider, il est pas sympa ce matin, euh, voilà. Et j'ai fait de la noise, toc, euh, hop là, et ce que je vais faire, c'est que, oh, j'en ai mis de partout des parenthèses, voilà, et ce que je vais faire, c'est que ici je vais mettre un petit print, un petit print de coucou. Les devs, ça commence. Pensez à liker. Voilà, hop, petit placement sympathique. Et puis, il y a une autre méthode c'est teardown, Down. qui est exactement la même méthode. Coucou les devs, c'est fini. Pensez à vous abonner. Je pense que tu l'auras euh, à vous abonner. Voilà. Donc là, pour le coup, si je relance mes tests, tu vas voir ce qui va se passer. Voilà, ce que l'on a ici, c'est que tu vois, ici on a donc coucou les devs, euh, ça, ça commence à euh, penser à liker et coucou les devs, c'est fini, pensez à liker. Alors euh, concrètement, cette méthode-là va te permettre au début de chaque méthode, au début de chaque lancement, et d'ailleurs on pourrait presque le mettre à cet endroit-ci, tu vois, simplement pour le, le mettre ici, voilà, je vais relancer que cette partie-ci, comme ça, on va pouvoir cibler uniquement que ce test. Voilà. Euh, ces deux méthodes-là... Euh Setup et teardown sont des méthodes qui vont te permettre d'être exécutées avant et après le test, d'accord Bon là il te l'affiche un petit peu de façon bizarre, mais euh, dis-toi que ça va, ça va s'exécuter avant ou après le test. Enfin ou et après les tests. Euh, et notamment, euh, ces deux méthodes-là sont des méthodes qui vont te permettre de setter euh, l'environnement le, dans lequel tu vas effectuer ton application. Tu pourrais, alors là ici on n'est pas sur un cas vraiment très concret, mais tu verras qu'on aura l'occasion de réutiliser ces, ces différentes méthodes et notamment ces méthodes là vont te permettre d'initialiser le comportement que ton test doit avoir et notamment par exemple de créer des jeux de données peut-être d'initialiser des informations dans une base de données alors je t'ai fait une vidéo sur les différents types de tests notamment un test d'intégration les tests enfin les tests unitaires tests d'intégration tests fonctionnels et dans les tests d'intégration et fonctionnel des fois on va jouer ça dans un environnement réel ça veut dire avec une vraie base de données où on va injecter de l'information dedans et puis on va tester notre application avec cette base de données là et eh bien ces différentes méthodes setup et teardown te permettent justement un d'aller injecter de la donnée dans cette base de données dans un premier temps et deux quand ta, ton test est terminé et eh bien concrètement euh, de pouvoir euh, nettoyer ta base de données euh, et euh, nettoyer ta base de données voilà donc ce que je vais faire hop là toc Alors, ce que je vais faire c'est que je vais remettre ça ici et je vais te montrer deux autres méthodes euh, qui est donc setup hall euh, ici coucou les devs euh, ça commence alors je vais commenter l'autre partie comme ça du coup on va pas avoir de conflit et je vais avoir un teardown all euh, qui va se mettre ici on va relancer juste cette méthode là euh, parce que bah, concrètement je vais ne faire les modifications que sur cette méthode là et tu vas voir que euh, concrètement on va avoir coucou les devs ça commence euh, penser à liker et coucou les devs euh, ça ça finit euh, penser à vous abonner là on voit que ça n'a pas fait ça pour chaque itération juste avant on avait chaque itération avec cette phrase là là concrètement ce que l'on va avoir c'est que euh, sur l'entièreté des itérations sur l'entièreté des tests on va avoir la méthode setup all qui va s'exécuter, donc qui va s'exécuter en tout premier, qui va avoir une action qu'une seule fois, et une fois que tout le groupe de tests que l'on vient d'effectuer, d'accord, une fois que tout le groupe de tests sera effectué, et eh bien concrètement, on va effectuer le teardown all. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces méthodes-là vont avoir un travail à effectuer avant tout un groupe de tests ou et après tout un groupe de tests. Et hein, tu n'es pas obligé d'utiliser le tiers d'ordre. Généralement, si tu utilises le setup all, euh, c'est que tu vas avoir derrière peut-être besoin d'injecter de données en base de données. Si tes jeux de données, par exemple, euh, peuvent être utilisables sur plusieurs tests, d'accord Si les différents cas de configuration peuvent être utilisés sur différents tests, eh bien, tu peux très bien utiliser ces deux méthodes-là, d'accord C'est-à-dire que, hop, tu injectes tes données une bonne fois pour toutes. Peut-être que tu vas injecter plusieurs cas ou plusieurs utilisateurs différents. Et puis, chaque test va tester un utilisateur différent. Ça peut être ça aussi, tu vois. Donc, on peut l'imaginer partout. Encore une fois, ces méthodes-là euh, peuvent être utilisées aussi au niveau le plus haut de euh, tes... Tests, ce qui fait que quand on va lancer tout le test, on va laisser faire ça. Voilà. Tu vois, on va avoir un coup avant et un coup juste à la fin de absolument tous les tests. Donc tu peux euh, tester en fin de compte ces différentes méthodes. Bien évidemment, là, je te montre les cas euh, théoriques euh, là-dessus. Là mais euh, il faudra bien évidemment les tester dans des cas un peu plus concrets pour pouvoir approfondir euh, les sujets. Euh, notamment, euh, moi, ces méthodes-là, je les utilise principalement pour initialiser ou pour faire de la réfactorisation de code. C'est-à-dire que, euh, prends, prends un exemple tout simple. Euh, ici, euh, concrètement sur le setup, all euh, on peut très bien imaginer refactorer cette partie de, de, de ligne de code, c'est à dire que cette ligne de code je peux la mettre ici. Voilà, je peux euh, bah, tout simplement faire ceci comme ça, euh, hop là, et puis faire ça. D'accord, ça veut dire que ce que je vais faire, c'est que dans mon code, au tout début, je vais euh, initialiser d'ailleurs, je peux le mettre en late, hop là. Voilà, je peux le mettre en light. Donc, ça veut dire que je vais initialiser au départ euh, mon instance de calcul repository ou tout du moins la, la, la propriété euh, classe repository, calcul repository. Ensuite, dans le setup all, donc avant absolument tout, tous les tests, je vais instancier ma classe et j'ai besoin de l'instancier qu'une seule fois parce que cette classe-là, je vais l'utiliser absolument dans tous les tests. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais avoir cette fameuse classe de euh, calcul repository, d'accord donc à chaque fois que je vais l'avoir ici, et puis encore ici, et puis encore ici, et bien je vais pouvoir maintenant les supprimer. Parce que j'ai instancié ça dans mon setup all à cet endroit-ci. Je l'instancie une seule fois. C'est utilisable absolument dans tous mes tests. Et euh, en théorie, je pense que ça ne va pas forcément planter. En tout cas, euh, j'en je, suis pour ainsi dire sûr. Euh, et ça va être exécuté dans absolument tous mes tests. Et là, bah, je viens de factoriser un petit peu mon code. Factoriser plutôt euh, mon code de telle sorte à le simplifier en termes de lecture, en termes d'organisation. Bien évidemment, là c'est un exemple très très simple. Mais tu peux l'utiliser sur des cas beaucoup plus complexes. Euh, en fonction d'environnement beaucoup plus complexe, tu peux aussi utiliser ces fonctions-là peuvent servir de mock, d'accord Je t'ai parlé des petits bouchonnets dans une vidéo précédente, même dans deux trois vidéos précédentes. Eh bien ici, tu peux créer ces petits bouchons, ces mocks qui vont permettre de simuler un contexte, un environnement. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Tu peux aussi nous rejoindre parce que régulièrement, je te parle de petits cas pratiques directement. Je te parle même de mes petits MMs, tu vois. Euh, dans euh, mon canal Telegram, ça se passe dans la description, tu as un lien, c'est le premier lien, tu sais comment faire, tu t'inscris à la newsletter et en même temps tu reçois ton lien d'accès à ce canal Telegram dans lequel bah, je te partage régulièrement aussi bien les news sur la chaîne. Je te donne aussi euh, des petites statistiques, je dois être la seule, euh, la, la seule chaîne euh, francophone euh, YouTube euh, au niveau du dev euh, qui te donne des informations euh, sur les statistiques de la chaîne et puis bien évidemment plein d'autres sujets euh, qui euh, peuvent être plus ou moins passionnants. Tout ça c'est relatif en fonction de chacune des personnes. Sur ce, je te dis à plus tard, ciao bye